Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et je suis accompagné de Tib et qui est très bi pour ceux qui suivent les streams. Donc voilà, Tib va être mon pilote pour aujourd'hui. Hein. On va au circuit pour le fameux GP Explore organisé par Squeezie. Donc voilà, c'est mon chauffeur déjà dans la voiture et après ça va être mon chauffeur aussi des fauteuils roulants. Je fais pas de F4. Hein. Fais pas de F4. Hein. Non, on va éviter d'aller sur le circuit. Donc ouais, j'ai réussi à avoir un fauteuil roulant parce que je suis en béquille avec ma rupture du tendon d'Achille. Donc j'ai réussi à avoir un fauteuil roulant, donc ça va être quand même un peu plus sympa pour moi pour me déplacer parce que faire tout le circuit en béquille, ça allait être un petit peu galère, surtout avec les graviers et tout. Je pense que ça risque d'être un peu chiant. Donc je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve directement au circuit. Bon bah les amis, il y a un peu de monde sur la route, du coup on va prendre le tram. Vous pouvez voir mon bolide, je fais un petit tour du... Regardez-moi ça. Bam bam bam. Le gars se débrouille en fauteuil roulant. T'es mal les gens, t'as lu. T'es mal les gens, t'as lu. Et ben voilà, le beau plan. En direct du circuit avec Trébi. Regardez-moi ça. On voit rien. On est trop bas pour voir ce qui se passe derrière. Allez, salut hein. Il se cache. Bon du coup les amis, on a réussi à se placer dans une tribune. On est très bien placé pour voir justement le départ. Je sais pas si vous entendez bien parce qu'il y a le speaker qui parle en même temps. Il y a eu un crash de Joyka pendant les qualifs. Donc je pense que la course elle est morte pour lui. Donc on va suivre le reste. Attention. Oh là là, ça a tapé très très fort Joyka. Joyka, la voiture complètement elle est détruite. Red c'est flag, drapeau rouge. Drapeau rouge. On a vu Joyka. Drapeau rouge. Joyka bouge, donc là, voilà, il clame dans ses mains. Il va bien. Il va bien. Qu'est-ce mais qui ça s'est passé? A tapé très très fort. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Drapeau rouge, bien évidemment, sur la session. Le chrono est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Ça va bien, pour l'instant, il a l'air de bouger. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On a vu une Alpine aussi. Hein. On a vu une Alpine. Alors attends, on le ralenti. Voit. Ah, c'est la fameuse courbe Dunlop. Ah c'est la même, l'avant, l'arrière. Il va bien, il va bien. Ça c'est une erreur qu'on a beaucoup vue. Vous pouvez voir là-bas, il y a le concert, certainement de Big Flo, Oli, Mid et puis Bianca Costa. Mais on a préféré assurer des places plutôt que d'être dans la foule là-bas. Quand même bien plus technique, parce que bon, on est là quand même pour la course avant d'être là pour des concerts. Et bon, comme je peux pas me mettre debout, c'est mieux.
Et m'a ramené une casquette personnalisée. Regardez ça. Insane. Il y a toute équipe. Là, il y a Tommy. Là, il y a Pierre. Là, il y a Loïc. Il y a Laurette. Là, il y a Trévi derrière. Il y a Hécatombe, tout le monde. Il y a toute la fine équipe. Il manque une petite partie qui sont partis chercher à bouffer pour nous. Et voilà, on attend toujours le début de la course. Il est 14h30 et la course commence dans 2h30. On vient d'apprendre que la voiture de Joyka, elle est parée pour le départ. Donc ils ont réussi à tout réparer malgré son accident de ouf. C'est insane. Et la course, ils vont vraiment partir à 22 du coup. Le spoiler. Oh, il a spoilé. On souhaite surtout que nos pilotes prennent du plaisir et nous offrent le spectacle le plus optimal. Je rappelle, vous allez vivre un et moi je peux vivre le canon du même qui est surpris. Come on, come on!
le premier, s'il va devant. L'ambiance elle est insane les amis, il y a une safety car parce qu'il y a eu un accident là. On sait pas trop qui c'est, c'est une coupera qui a glissé, qui s'est fait rentrer dedans derrière. Donc là ça va reprendre, la safety car elle va se barrer. On nous l'a dit à l'antenne, on vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés, Pierre qui n'a pas pu éviter. Et ça, devant 1 million de spectateurs sur Twitch, vous nous régalez. Remporter ce Jeep Explorer. Il reste plus que 3 virages. Il reste plus que 3 virages. Des pilots qui se montent, qui met un maximum de pression sur Sylvain. Il est à l'intérieur. Il ferme légèrement la porte. Attention, c'est le dernier enchaînement. On va arriver sur le dernier virage qui va décider la ligne d'arrivée. Et tout proche du dernier virage du rapportement. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Parce que Sylvain va garder sa défense. Sylvain qui va défendre. Allez, victoire. Qui va gagner? Victoire, et on voit son coéquipier sur NordVPN, Pierre qui salue très très fort Sylvain. Bravo Sylvain, bravo Delphino, Étienne qui ferme le podium. Bon les amis, fin de chantier, Tony Gachette qui me conduit. On a les petits potes qui sont là, il y a Pierrot, il y a Trébi, on a Camou aussi qui est là. Eka, votre streameuse préférée. On est là, fin de chantier, c'était vraiment un event de ouf. Franchement un event de ouf. Vas-y. Quel don je suis. Ah bah attends, me lâche pas dans la descente mon pote. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. Non mais c'était très cool, franchement superbe expérience. On espère une deuxième édition qui sera certainement pas au Mans, mais là c'est cool d'avoir pu vivre ça dans notre ville. Pour une fois que le Mans est un peu mis au cœur des événements, c'est cool. Et putain, il y a d'autres personnes là, il y a Poa et il y a Mélo. On lève photo de groupe. Attendez, photo de groupe, ça part. Champion du GP Explorer, il détient un titre que personne d'autre n'a pour le moment. Seul et unique vainqueur du GP Explorer.